Coucou, l'escapadicte, je vous retrouve pour un petit papotage du soir, espoir, comme on dit. Enfin, comme je dis. Donc, ça y est, mission accomplie. J'étais chez mon dentiste, donc elle m'a arraché la tête. Alouette, oh, elle m'a fait mal. La brodine, elle m'a fait mal. Je lui ai dit, bah, vous n'allez pas de ma morte. Elle me fait, oh, fou. Voilà, elle m'a fait mal. Mais c'est pas possible. Bon, ben voilà, ça c'est fait. J'ai envie de dire, je fais pas ça tous les jours. Eh ben les dents, hein, pas une partie de plaisir. Ceux qui aiment aller chez le dentiste, bon ben, je sais pas qui c'est. Hein. J'ai envie de dire, bravo. Wesh, j'ai envie de dire, comme dirait mon fils, non mais là c'est Noé quoi. Elle m'a arraché la tête quoi, Alouette. Oh, moi qui aime pas aller chez le dentiste, ben, ceci. C'est le pompon, elle est gratinée. Mon autre dentiste, je me plaignais, je râlais. Je disais à mon homme, je râlais. Mais alors, c'est la prise à retraite. Ben, je ne me dis pas que je m'aventure chez ceux-là. Ils ont un cabinet flambant neuf avec au moins, je ne sais pas combien, d'étages, de pièces, de machin, de radio. Tu te fais panorapie de la tête à l'ouette, ça te scanne de la tête aux pieds, je ne sais pas ce que ça fait. Ah bah dites donc, mais alors par contre, ils m'ont arraché la tête. Bien sûr, j'ai manqué les. Bon, heureusement, la mutuelle, j'ai envie de dire, mais bon, hein. Je suis pas venue là pour souffrir, j'ai envie de le dire. Mon loulou était écroulé sur sa chaise. Écroulé de rire. Écroulé de rire. Ah bah c'était un moment de folklore, hein. Elle m'a arraché la tête. Non mais je sais pas ce qu'elle m'a fait, franchement, elle va me dire... Mais je suis pas venue là pour ce... Alors, une petite tasse de réconfort, hein. Ah, hein. Trop de sucre, voilà ce qui arrive. Hein. Obligé d'aller voir le dentiste. J'ai envie de dire, c'est pas possible, quoi. C'est Noé, quoi. Bon, j'inaugure ma jolie petite tasse, malgré que ça soit le deuxième jour. Mais regardez, elle est trop choupie, quoi. Elle est trop choupie, elle est gourmande, elle est généreuse, cette tasse. Elle est choupie, là. Donc, je suis en train de... Ben, faire un peu de réconfort parce que là j'ai envie de dire bon, il est 17h30 pour un petit point quatrième top. Il sera exactement 17h30. Et ben, j'ai emmené mon fils de l'affaire au coiffeur après. J'ai emmené mon fils au coiffeur. Donc mon Lulu est tout beau, tout bien coiffé, tout mignon. Il est trop choupi. Voilà, donc ça c'est mission 2 accomplie, j'ai envie de dire. Et bien ça c'est fait. Donc j'ai envoyé mes papiers à la mutuelle. Je me suis pris la tête tout à l'heure au téléphone parce que j'arrivais pas à y envoyer en ligne. Zen attitude, cool Raoul. Et je me suis rendu compte qu'ils n'ont pas remboursé une consultation de mon Lulu. Non, ils n'ont pas voulu rembourser. La mutuelle est sympa parce que ils remboursent pas des bilans. Mais par contre, il rembourse des séances. Mais le bilan de prise en charge n'est pas remboursé. 160 euros ne pas remboursables. J'ai envie de dire, c'est que du bonheur. Alors qu'il m'avait dit à la base que c'était tout remboursé. On avait droit à des séances et tout ça. Mais bon, le bilan, bon, ne fait pas partie de séances. Il a quand même resté 1 heure en consultation, j'ai envie de dire. Bon, enfin bon, c'est comme ça, c'est la vie, pauvre Lucette. Ah, mon toutou, il se met en route, ah, les voisins rentrent, oui, c'est vrai, ils sont pas beaux, mais bon, c'est pas leur dire, hein. Non, je plaisante, bien sûr. Mais bon, je suis, je dis des bêtises, je suis en train de dépiauter, comme je dis, du verbe dépiauter, dépiaute, je dépiaute, tu dépiautes, il dépiaute, dépiauton, dépiauter et il dépiaute. Je dépiaute ces die-cuts. Attendez, mais il y en a encore là. Il y en a encore là. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bon, attendez. Ouais, parce que je les trouve trop beaux ces blocs, quoi. Ah, bah, l'autre fois, j'ai dû faire la même bêtise. Attendez. J'ai dû faire une bêtise. J'ai pas fait la première page. Attendez. Ah, j'ai dé... Par contre, j'ai défait la. La page qui est en papier calque ou en vellum, donc comme papier calque, bon, je dis. Hein. Ah ouais?
Donc, j'ai pas de... Ouais, l'autre, j'en commençais à en faire un hier soir, là. Et je me suis dit, je vais faire ça avec vous. Au lieu de... Ben voilà, j'ai pas de grand-chose comme créer en ce moment. Parce que je suis toujours par mot et par mot. En plus, entre les rendez-vous médicaux de ceci, de Pierre-Paul Jacques, Oui. j'ai envie de dire, c'est normal, quoi. Ah bah oui, j'ai pas fait l'autre. Ah, la broguine. Lui, la mère est une broguine. On est une... Je suis conscient. Ouh. Bon. Bon. Normalement, ils sont mangés, mes chats. Ils ont bien mangé, ils ont la peau du ventre bien tendue. Qui c'est qui a déplacé toute la gamelle? Attendez, je suis là. Ouais, j'ai la bougeotte. Je me rends compte que... Ah, c'est peut-être mon Lulu qui a donné tout à l'heure la pâtée, parce que c'est Lulu qui s'en occupe bien de mes amis, mes bestioles. Je suis en train de faire un kiki là qui s'est effet. Sûrement Tartine qui a joué avec. Oui, j'avais pas défait l'autre. Il en restait un. Oh, qu'est-ce qu'il arrive encore? Chut. Mais dès que je fais une vidéo, l'autre il se met à aboyer. Toi là-bas, j'ai envie de te dire, ça va pas le faire, hein. On se calme. Merci. Qui c'est le patron ici? Nom de Zeus. Non, non, mais n'en profite pas. Merci. C'est pas le moment. T'as vu tes câlins tout à l'heure? Chaque chose en son temps. Là, c'est un petit peu un moment, là. Chut. Ouh, c'est bestiole. Donc, je vais défaire tout ça, là, ces die cuts. Où je les mets dans cette pochette. Elle est déjà bien... Bien soufflée. Je ne sais pas si ça va tout tenir. Croisons les doigts, que ça tienne dedans. Tant que ça ferme, il y a de l'espoir. Donc, ben, j'ai dit, je vais faire ça avec vous. Oh oui, tant qu'en faire. Je ne fais aucune créa en ce moment. Ben, je n'ai pas de temps, moi. Là, c'est déjà 17h30. J'ai envie de dire, what? Je n'ai plus de temps. Il me manque du temps. Qui est-ce qui aurait une boîte de temps, s'il vous plaît? Bon. C'est comme ça. Entre les rendez-vous médicaux de Lulu, les rendez-vous médicaux de moi-même, les ceci, les cela, mon papa. Oh, mais ça va pas le faire! Ça y est, je monte dans les tours. Je monte dans les tours, là. Il m'énerve. Je passe un cap là, avec le chien, là. Là, ça va pas le faire, Scrap. Et ici. Je crois qu'ils se sont donné le mot. Si on l'embêtait. Chiche. Chiche. Alors, toi, là-bas, j'ai envie de te dire. Ça va pas le faire. Attendez, je vais faire pause parce que je vais faire gendarme. Je vais faire gendarme, là, je vais pousser une petite beuglante. Bouchez-vous les oreilles. Ah non, je vais couper. Bon, attendez, je reviens. Me voilà. Donc, ça doit être bon. Je dois être tranquille. Ah non, j'ai un chat dans la litière. Ah, je, non, non, ils ont décidé que je ne serais pas tranquille. Ah non, mais quand même les chats s'y mettent, j'ai envie de dire. Et le chien. PLS, d'un seul coup là. Et Tabata qui empêche le Ron de sortir de sa litière. Oui, ils sont gentils entre eux aussi. Des boules d'amour. Je sens que je vais être obligée d'aller les calmer encore de nouveau parce que bah, c'est le quart d'heure de folie, hein, c'est le soir. Voilà, donc tout le monde est à la casa et tout le monde s'excite là. Tout le monde joue. Il joue en fait, hein. Mais bon, faut quand même mettre Léo là parce que... Ah non, mais il te ravage la maison, quoi. Alors, j'en ai plus que ces petits die-cuts, ils sont trop mignons, ceux-là. Tous ces petits die-cuts gourmandises, là. Ils sont trop beaux. Alors, j'ai pas trouvé les stickers.
Alors, dans mon action, ils étaient en train de remettre tout en rayon. Ils avaient tout bouché le rayon, en fait. C'était pas... Allez, hop, on ferme tout. On n'avait pas accès. Accès non autorisé. Alors, bon, ça pour une prochaine. Alors, je sais pas quand. Demain, je sais pas. Non, je pense pas demain. Flemme. Je pense que demain, je vais rester dans ma yourte. Ferrée comme une bête. J'en ai marre de courir. J'ai pas de rendez-vous demain. Donc, ça fait du bien. Ah bah, j'ai un autre chat dans la litière. Tartine. Désolée, mais moi, avec mes chats, on peut pas avoir la paix. Hein. C'est pas possible. J'ai envie de dire, dans une autre vie. Donc là, il y a plein de pommes de pin. Des petits bonbons, là. Alors ça, je sais pas si je l'ai... Sur les autres, j'ai pas tout récupéré, parce qu'il y a des choses qui me... Pas de pas, et je sais que je vais pas m'en servir. Vous voyez, comme ces petits ronds, là. Je ne sais pas si vous voyez ça. Là, je sais que je ne vais pas m'en servir hein, de ça. Donc, je ne les défais pas. Ça, ces petites boules de lumière. Si j'arrive à la défaire sans rien casser, j'ai envie de dire, j'aurai du bol. Alors, méfiez-vous parce qu'ils sont prédécoupés, mais... C'est prédécoupé. Il y a certains trucs qui découpent mieux que d'autres. Donc, je défais ça, là, tranquillement. Ça me permet de mettre dans du joli sans trop me prendre la tête à mettre en chantier un truc. Parce que moi, je suis obligée de tout descendre de ma scrap room. Vu que ma scrap room, pour l'instant, je ne peux pas scraper dedans. Vu que c'est Beyrouth. C'est fou, quoi. C'est... Ouais. Il faudrait que je pousse les murs là. Là, faut en arriver à un stade. Je pousse les murs. Alors j'essaye de pouvoir récupérer ce fameux placard mural là. Il y a mon homme qui le squatte dans ma scrap room là, avec ses tenues de travail. Parce que j'ai pas d'autres tellement de placards. Dans mon autre appartement, j'avais beaucoup de placards muraux. Ça, c'était vraiment top. Beaucoup de rangement. C'était top, top, top. Que ce soit dans la cuisine, dans les chambres. Dans le salon, j'avais aussi une petite pièce débarras. J'avais même deux petites pièces. Deux petites pièces débarras, c'est ce que je dis, ouais. Donc, c'était cool. Mais là, on est limité. Je n'ai pas de placard muraux, donc... On sent bien la différence. Alors, j'ai des étagères dans ma scrap room, mais bon, elles sont blindées. J'ai envie de dire, c'est même... Non, ouais, je peux plus rien mettre dessus. Autrement, tout s'écroule. Alors, j'ai des boîtes qui sont empilées les unes sur les autres, mais comme elles sont pas de grande qualité, eh ben, elles se froissent entre elles, se prennent des mauvais plis... Et ben, si je redéménage d'ici, il faudra tout racheter des boîtes. Ouais, parce que bon, ce n'est pas fait pour, hein, pour être empilé comme je les empile. Hein. Il y a du poids, le papier fait du poids. J'ai pas de meuble Kallax, je sais pas. Bon, c'est pas top. On verra dans quelques temps si. On déménage, j'aurais peut-être mieux. C'est comme ça. Voilà. On va déjà se contenter de ce que j'ai. Hein. J'ai déjà une pièce à rien qu'à moi. Comme dit mon homme, c'est vrai. Hein. Pas non plus d'icouni. Hein. Mais plus on a dans d'emplacement pour une scrapeuse. Plus on comble vide, hein. Ah bah je l'ai bien comblé là, la pièce, elle est
blindés, quoi. Oui. Ça, c'est le problème des scrapeuses. Hein. Je crois qu'on est un peu toutes pareilles, ou tous, s'il y en a qui scrapent. Tous et toutes pareilles. Hein. Je crois que... les collectionneuses compulsives de papier, de dies et autres tamponnages et autres petites merdouilles, n'ayons pas peur des mots. Hein. Mais quand on rentre dans ma pièce, il faudrait que j'ai les cleaners là pour qu'ils viennent organiser ma pièce. Il faudrait que je fasse appel aux cleaners pour qu'ils réorganisent ma pièce. Ah, là, il y a du boulot là, j'ai envie de dire. Mais bon, je vais pas les faire venir parce qu'ils vont me dire qu'il faut trier. Qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on jette ? J'ai envie de dire, what, mais je garde tout. Je jette rien. Hein? Mmh? Très peu. Mmh. Alors, vraiment une misère, quoi. Je serais là, mais attends, non. C'est non, ouais, quoi. Ouais, je sais, c'est pas bien, je sais. Faiblesse qui me perdra, hein, j'ai envie de dire. Bon, alors, attention. C'est parti. J'ai déjà fait tout ça. Ah, ça fait du volume, hein. Deux feuilles et on se trouve déjà avec tous ces die cuts. Ils sont tous beaux les uns que les autres. Franchement, regardez ces petites maisons, ben, ces petits. Ah, c'est trop féerique, c'est trop mignon, c'est trop. Quand c'est trop picot, mais là, c'est vraiment trop beau. J'adore ces petites maisons. Ben, j'en ai pris deux, hein. Vous connaissez. Hein. Voilà, c'est le problème des scrapeuses. Enfin, moi, mon problème, surtout moi. Quand j'ai ma truc, généralement, je prends en double. C'est le problème de base. Oui, je sais. No comment. No comment. Je sais. Hein. Non, mais je le sais. Je vous entends. Hein. Oui, je sais, c'est pas bien. Tu es vilaine. Ouh, tu es vilaine. Ouh, que tu es vilaine. C'est pas bien. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Regardez ça, cette petite maison, chaussures de lutin. Non, mais c'est pas trop choupi lover, quoi. Mais en plus, je fais des pliages de serviettes pour Noël en forme de lutin, donc je ferai ça. Ah ouais ? En même temps, je mettrai ça. Oh non, mais c'est trop choupi, quoi. Puis je mets des petits grelots, vous, ben oui. Hein. Je couds des petits grelots à mes serviettes. Après, on peut pas s'en servir, comme disent mes convives. On fait comment pour ces... Ben, je remets des, généralement une deuxième serviette. Oui, cherchez pas. Cherchez pas, docteur. Bon, j'ai mes chats qui sont... j'ai M. Ron, là, qui est au stade pénible. Encore lui, oui, je sais. Un chat, c'est compliqué, hein, surtout qu'il est très boss. C'est joli, ça, aussi, c'est... Allez, je vais boire mon petit truc, là. Je vous avoue que c'est le deuxième. Oui, je sais. No comment. Ouais. Faut t'avouer, moitié pardonné. Je sais pas. Mais bon. Voilà, bon, bah, ça m'a mis en PLS, moi. On va... Ce dentiste, non mais... Alors, je sais pas vous, hein, mais bon, si vous trouvez un bon dentiste, moi, comme dit mon homme, tu vas encore changer de crèmerie, mais il reste encore dans la région. C'est à se demander. J'ai toujours des problèmes avec les dentistes. Une fois, j'étais tombée, je vais vous raconter, une anecdote. Oh là là. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé une fois, le pire chose qui m'est arrivé chez le dentiste. Alors, ma pire expérience de chez le dentiste, hein, ne rigolez pas. Je vais chez le dentiste et c'est un remplaçant, un vieux pépé. Je dis, mais attends, mais wesh, mais qui c'est ? Je me suis trompée d'endroit. C'est, qu'est-ce que c'est ? Non, le dentiste est en vacances, je suis le remplaçant. Ok. Je dis, oh, bah, ça va, c'est un dentiste qui a de l'expérience, ça va... Finger in the nose, j'ai envie de dire. Ça va y aller, quoi. Allez, vas-y, que je m'installe. Il me prend des empreintes. Un moment de bonheur. Pur bonheur intense. Je dis, ah, bon sang. Bon. Donc, il me met, vous savez, la pâte avec le machin, là. Et, je suis comme ça, là.
Et il reste un bon moment. Je vais. C'est long quand même. Bon, on va pas paniquer, hein. On reste calme. On reste zen. Au bout d'un moment, bah, il vient. Il dit, oula, oula, j'ai un problème. Ah ben j'ai un problème. Ah, j'étais là, pardon. Quoi qu'est-ce? Comment ça? What? oui, en fait, là, j'ai perdu la pince, la clé, en fait, pour enlever l'appareil pour prendre les empreintes. J'ai perdu la clé, je retrouve pas. Où est-ce que le dentiste, enfin, le dentiste originel a laissé la chose? Il va falloir que vous allez aux urgences pour vous faire enlever. J'ai dit, pardon. Un peu comme celle qui m'avait dit pardon, là, qui va rester dans les annales. Parce que je devais, enfin, je change du code canal. Je devais 2,59€ à la cantine. Il m'avait envoyé une lettre recommandée pour 2,59€. Elle m'avait téléphoné. Vous comptez payer quand? Ben, j'ai fait prochaine fois que je descends sur la petite ville, quoi, ou le lycée. Pas de souci. Ah oui, parce que là, vraiment, vous avez une dette et il faut quand même payer ce qu'on doit. Hein. J'ai fait. Et puis, je veux dire, là, vous commencez par me. Tout ce que je lui ai dit. Moi, j'ai plus ce que je lui ai dit. Elle me faisait pardon au téléphone. Je dis oui, vous avez bien entendu. Pardon, elle me disait. Alors, je crois que ce pardon est resté dans les annales. Donc, j'ai fait pareil. Pardon. Il me fait, ah oui, il faut que vous alliez aux urgences pour vous faire enlever l'appareil. Parce que moi, j'ai pas la petite clé spéciale pour vous enlever. J'ai pas fait attention avant de vous prendre vos empreintes qu'il fallait une petite clé spéciale pour enlever ce machin dans la bouche. J'ai fait, oh my god. Je devais aller chercher mon fils à l'école. Il était à ce moment-là petit. Je pouvais pas le. Si je venais pas à l'heure, il était en panique. Il se mettait à pleurer. Il était en panique, panique totale. J'ai dit, oh là là, je vais aux urgences. Avec le truc dans la bouche. J'ai dit, tout d'un coup, il me fait, ah non, c'est bon, vous inquiétez pas, j'ai retrouvé la clé. Au bout de 20 minutes de recherche, quand même, hein. J'ai retrouvé la clé. Merci, j'ai fait. Donc, j'ai dit, là, va, celui-ci, j'y retourne pas, hein, même si c'était un remplaçant. J'ai dit, là, posez-moi ma couronne et au revoir. Au revoir. Au revoir. Non, non, mais parce que j'ai resté plus de 3/4 d'heure avec le machin dans la bouche et me stresser qu'il fallait que j'aille aux urgences me faire enlever, quoi. J'ai envie de dire, ça, c'est plus possible. Donc, ça, c'est ma pire expérience. J'en ai eu d'autres. Les autres, c'était financière. J'avais des soins, ma mutuelle est prenait en charge, j'avais rien à ma charge. Et je dis au dentiste, faites un petit délai, encaissez le chèque dans une dizaine de jours, quoi, voilà. 8-10 jours. Ne fais pas de soucis. Pas de soucis, d'accord. Et là, j'ai fait pareil, j'espère qu'ils ne vont pas me l'encaisser tout de suite. Et là, ils avaient encaissé tout de suite. La banquière m'appelle le lendemain. Deux jours après, ou je ne sais plus. Ouais, deux jours après. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait, là? Alerte rouge, plan. Je téléphone au dentiste, à la dentiste. Ah, ben oui, ben écoutez, on a des frais. Nous, on a un nouveau cabinet. Hein, il faut bien qu'on vive. Là, je l'ai encaissé tout de suite. Oui, c'est vrai. Je veux dire, oui, mais là, vous m'avez mis dans un petit peu dans la, comment dire, petite merdouille, là. Donc, deuxième expérience mauvaise chez un dentiste. Enfin, j'ai toujours eu des expériences ou financières ou des trucs improbables chez le dentiste, quoi. Alors, quand j'étais gamine aussi, c'était aussi une remplaçante qui était venue. Le dentiste, je sais pas. Plus que ma mère m'avait emmené, elle me regarde la bouche, elle me fait, oh là là, il y a au moins une dizaine de caries. Une dizaine de caries. Ma mère a dit, tiens, c'est bizarre, parce que bon, l'autre dentiste avait dit que c'était, bon, voilà. Elle m'en est pour un contrôle, elle m'a dit, non, c'était bon, il y avait juste une dent à soigner, et il n'y a rien d'autre. Elle me fait, oh, si,
Ah, si, si, il y a plein de Ah dents à bon? soigner. Elle allait commencer à me plomber des dents qui n'avaient pas besoin, des dents qui D'accord. étaient saines. Elle commençait à Oui. me vouloir me les dévitaliser, tout le Bataclan. Ma mère, bah, à ce moment-là, elle n'a pas fait de scandale, mais ça aurait été maintenant, je crois que ça aurait été un scandale. Quoi. Je ne sais pas. Je suis toujours tombée sur des dentistes un peu aware. Je n'ai pas de chance avec les dentistes. Si vous connaissez un dentiste correct, je veux bien. Je suis prête à me déplacer en Ouzbékistan du Nord. S'il est correct, hein. J'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Là, elle m'a arraché la tête tout à l'heure. Ouais. Allez, on arrête de se plaindre. Mais franchement, je ne suis pas venue là pour souffrir, quoi. Ah, c'est affreux, quoi. Mais je déteste ces dentistes, hein. Phobie des dentistes. Dentistophobe. Peur des dentistes. Je sais pas si ça existe, la Bah, tu vois, ça va, dentistophobe. tu te vois, tu fais pas. La phobie des Tu vois. dentistes. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. Pour l'instant, j'ai pas tombé sur quelqu'un qui me réconcilie avec les dentistes. Eh ben. En plus, ça aurait pu être un beau gaillard. Enfin, attention, en tout, hein, tout bien, tout honneur. Hein. Et ça aurait pu être un beau gaillard qui me soigne les dents. Non, là, c'était. C'est une dentiste, mais. Oh, zou, elle est gracieuse comme une porte de prison, oui. Hein. Elle n'est pas gracieuse. On dirait une camionneuse. J'ai rien contre les camionneuses, mais. Ah, non, vraiment, c'est fou, quoi. Bon, je suis devenue dentistophobe. Peur des dentistes. Tartine? C'est pas possible, ça. J'ai envie de dire, je vais manger des croquettes, hein. Ah là là. Bah oui, je bois du sucre, je mange du sucre, je. Et bah voilà, hein. C'est bien fait pour toi, hein. Ouais, mais enfin, quand même, hein. Pas possible. Bon, bah, cette chose est faite, mais bon, je ferai pas ça tous les jours pour revenir dessus, tiens. Bon, allez, on change de sujet parce que ça devient pénible. Mais bon, quand même, j'ai envie de dire. Voilà. Écoutez, vous me raconterez si vous avez des expériences, mes aventures avec des dentistes. Ou si tout coule, Raoul. Ou si tout coule, Raoul. Ah, c'est bon. Ah, c'est des petits sapins. Alors, je ne sais pas si pareil, là, si je vais m'en servir de ça. Là, j'ai comme un doute, vous voyez. Je ne sais pas. Je dis épieute, mais il y a des choses que je suis pas sûre de me servir, ce genre de bidule aussi. Ça, je me connais, je sens que ça va rester dans la pochette. Mais par contre, des jolis petits trucs comme ça, là, petite maison, là, franchement, oh, oh là, c'est tout ce que j'aime. C'est trop beau. Féerique. Merci, Action, franchement, des choses sympas. Hein. Alors voilà, on fait encore une petite page. Alors là, ce petit train aussi, il est sympa. Là, on compte là. Faut faire attention parce qu'il y a des petits éléments là. Et ça, c'est vite détachable, ça. Faut y aller mollo. Hein. Pour l'instant, j'en ai pas loupé. Mais il ne faut pas non plus se précipiter. Hein. Voilà. Bon, bah ça, on ne peut rien en faire. Hein. Je ne sais pas, vous avez une idée de faire quelque chose avec ça. Ou un pochoir. Mais bon, les formes sont quand même un peu grossières. Hein. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut servir de pochoir? On pourrait faire un pochoir? Non. Non. C'est no way, ça. Non. Bon, on ne peut pas s'en servir, j'ai envie de dire, je crois pas. Bon, bah écoutez, voilà, je vais continuer un petit peu mon découpage, vous voyez, en disant mes bêtises. Voilà.
Donc ça fait quand même beaucoup de die-cut, hein, on ne se rend pas compte. Je disais, oh, il n'y en a pas beaucoup, mais regardez le nombre qu'il y a. Et il me reste encore, parce que j'ai pris... Bon, j'avais pris deux comme ça, vous voyez. Il m'en reste encore deux comme ça. Ceux-ci aussi sont trop beaux, là. Oh, c'est un pur régal pour les yeux. Alors, comme je n'ai pas trop le temps, je me mets à ça. Et... Je dis, oh, bah, je vais papoter avec vous. Allez, papotons. Voilà. Bon, après demain, vu que je vais rester, je pense, in the casa, à part, je sais pas, un coup de sang, et qu'une envie, quand une envie d'aller traîner n'attend pas. Mais bon, je pense pas. Je pense pas, c'est pas au programme. Donc, demain, je pense que c'est consacré à... Au dossier de mon Lulu, voir si ça avance ou ça recule. Je vais me mettre dans les petites paperasses. Voilà, c'est pas évident à détacher ça. Faites très attention. C'est joli ces petites ampoules. Alors ça peut servir que pas que pour une guirlande comme ça, pour Noël, hein. Un happy birthday. Ou moi qui aime bien les mettre des petites ampoules un peu de partout. Même à détailler, une à une, je pense que... Mettre une petite ampoule comme ça. Je sais pas, à voir. À voir. Bah, ça fait du truc à faire, hein, ça. On se rend pas compte, mais ça prend du temps, tous ces trucs, hein. Voilà. Si vous avez une boîte de temps, je veux bien la prendre. On met une grosse boîte, hein, pas une petite boîte de temps. Mais une grosse boîte de temps. Je ne sais pas pour vous, mais je suis toujours par un rendez-vous de ceci, des formalités à faire là, des impératifs ici, des mon papa à côté, on va dire. J'ai pas encore téléphoné pour prendre rendez-vous. Bah oui, tiens, j'ai pas encore téléphoné. Pour prendre rendez-vous à mon scanner. Bah non, il est 18h, maintenant c'est même pas la peine. Ce matin, faut que je fasse ça. Je m'attelle à ça. Ce matin, j'ai passé pour avoir des renseignements avec la mutuelle. J'ai rappelé ce soir. Je suis passée ce matin au téléphone une bonne demi-heure. Hein. Bon, je faisais mon ménage en même temps. J'avais. Je ne sais pas. Je ne restais pas pendue au téléphone. Je trafiquais en même temps. Mais bon. Oh là là là. Prends du temps toutes ces communications. Hein? Ben là, j'ai un petit peu abîmé celui-ci. Hein? Ça va. Ok. Et joli aussi ce petit traîneau. Regardez comme c'est mignon ça. Là, c'est des pommes de pain. Je ne suis pas sûre de m'en servir. Au niveau die-cut, je ne sais pas. Pareil, ce petit bonhomme de neige comme ça, là. Je ne trouve pas trop... Ouais, bof. Je ne sais pas, à voir, mais... Pour l'instant... Pareil, ça, je ne vais même pas y découper. Ces espèces de barrières, là. Ça, je ne découpe pas, non. Ça ne plaît pas. A very sweet Christmas to you. Joli ça. Alors je vais continuer mes petites boîtes peut-être ce soir, malgré que ben, je vais peut-être faire en même temps que je regarde la télé, parce que mon Lulu est fan de Koh-Lanta. Il ne manque pas un épisode, une émission disons. Donc je pense que on va... Trafiquer. Je vais trafiquer en même temps que je vais regarder un peu la télé, si on peut dire. Hop. Non. Qu'est-ce que tu fais, mon Lulu, là-bas, avec ton jeu? Alors, bon, il a... Aujourd'hui, comme on a pas mal couru, il a le droit de faire de l'ordi, là. Pour se détendre un peu aussi. Faire ce qu'il a envie.
Et joue un jeu en ligne en réseau avec des copains du lycée. Pour ce qu'il fait. Enfin bon. Traficote. Hop. Alors, là, j'arrive pas à détacher celui-ci. Cette petite sucre d'orge. Ah si, c'est bon, je l'ai eu. Celui-ci était costaud. Je l'ai pas abîmé. Alors, ces petites étoiles, elles sont trop belles. Donc voilà, bah, écoutez, je vais vous laisser, hein, parce que bon, je vais pas vous enquiquiner avec mes histoires de qui vont pas vous botter. Je fais pas des créations non plus d'enfer, vous hein, voyez. Hein. C'est pas des trucs de à faire. Waouh, qu'est-ce que tu fais, des choses magnifiques, ma chérie. Bah non, je dépiote des... des trucs de die-cut. Mais bon, je fais quand même quelque chose. Des choses que, bah, que j'aime, voilà, pendant un petit moment. Petits moments qui sont... Bah, pour moi, hein, j'ai envie de dire. Hein, parce que, bon. Parce que je le vaux bien. Je ne suis pas venue là pour souffrir. Hein. Bah écoutez, je vais vous laisser les scrap addicts. Parce que bon, vous voyez, hein. Hein, c'est pas non plus une activité de. de fifou. Ah mais attendez, il faut que je vous raconte. Hier soir, je vais essayer de remettre au crochet. Bon, écoutez, l'expérience n'a pas été concluante. Ah, comme disait ma grand-mère, t'es une brodine, quoi, tu n'y arrives pas. Bah non. J'ai essayé, hein, parce que j'ai regardé une vidéo d'une dame qui fait sa finger in the nose. Je dis, hop, 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 allez, hop. J'ai compris comment ça marche. Ben oui. Mais bon, quand tu veux mettre en pratique, ben c'était no way, quoi. J'y suis pas arrivée, sniff. Je suis vraiment pas douée pour le crochet. Je crois que c'est pas fait pour moi. Définitivement. Je vais retenter l'affaire, parce que je n'ai pas dit mon dernier mot, hein, Jean-Pierre. Je suis tenace. Mais ma grand-mère devait essayer depuis l'âge de mes 6 ans à me faire crocheter. Et ben, elle n'y est pas arrivée. Ben, je crois que si ma grand-mère n'y est pas arrivée, personne ne peut y arriver, quoi. Parce qu'elle était d'une patience d'ange. Et ben, jamais pu arriver à faire une maille. Et ben, j'arrive toujours pas. Ça passe pas, il y a quelque chose qui... C'est, j'arrive pas. Non, je suis pas arrivée à faire une maille encore. Non, 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 mais rigolez pas. Non. Qu'est-ce que tu fais encore dans ta litière, monsieur Ron? Mais c'est pas possible. Défilé de litière, ces chats. Bon, je vous laisse parce que monsieur Ron fait du tintamarre dans sa litière. J'en peux plus. My God. Oui, bah vas-y, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, allez, je vous laisse. Monsieur Ron est dans sa litière. Attention. Fuyez, pauvre fou. Bon, allez, je vous laisse. À tantôt. Je vous ai fait un petit blabla. Bon, ben, désolé. Hein. J'ai pas grand-chose à vous dire. J'ai pas grand-chose à vous montrer. Donc, il y a c'est des moments comme ça, j'ai envie de dire. Ben, voilà. Écoutez, je fais plein de scrap bisous, en tout cas. Et puis, on se retrouvera pour essayer de faire quelque chose. Alors, je sais pas quand. Ça va le faire. On va arriver. On va y arriver. On va y arriver. Oui. Allez, plein de scrap bisous. À plus. J'espère que tout roule pour vous. Hein. Et puis, comme disait ma pauvre mère, si rien ne va, bah, faut faire face. Plein de scrap bisous. Allez, scrapez bien. À plus.